salut que Christ lui-même a produit pour tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, comme nous sommes arrivés au chapitre 2, nous allons voir du verset 1 au verset 8. Regardez votre Bible. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Il retournait ou il remontait au temps où il est venu aux Corinthiens et que je suis venu à vous. Je ne suis pas venu avec une supériorité de langage ou de sagesse humaine. Je ne suis pas venu avec la philosophie des philosophes. Et il est venu voulant leur apporter l'évangile de Dieu. Et il nous dit l'attitude avec laquelle il est venu, la disposition avec laquelle il est venu. Et le verset 2 dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Que lorsque je venais à vous pour vous annoncer l'évangile du salut, pour vous déclarer l'évangile de la grâce de Dieu, lorsque je venais à vous à Corinthe pour vous déclarer l'évangile qui sauvera votre âme et que j'ai décidé, j'ai pris la résolution en moi que je ne viendrai pas à vous sachant, connaissant Paul, Sylvain ou quelqu'un, mais je veux voir Jésus et crucifié, je veux élever Jésus crucifié, je veux prêcher Jésus le crucifié, je veux exalter le crucifié Jésus seul. Et le verset 3 dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. N'est-ce pas quelque chose d'entendre Paul dire que je viens à vous et puis dit, je viens avec un état de faiblesse, de crainte et de faiblesse. On verra cela dans l'étude. Verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et que je suis venu rempli de l'Esprit de Dieu, je suis venu déclarer, je suis venu démontrer la puissance de l'Esprit de Dieu, je suis venu démontrer tous ces dons de l'Esprit et la grâce de l'Esprit de Dieu qui vous fera mouvoir de là où vous êtes pour être là où vous devez être en Christ. Et verset 5, il a déclaré son intention, son objectif, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. S'il y a quelque chose dont il faut prendre pour un objet de méditation, c'est votre foi en tant qu'appelant, en tant que membre de l'Église, en tant que quelqu'un qui veut connaître le Seigneur de façon élevée, approfondie. Votre foi ne doit pas être fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la sagesse de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis, Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ce sont les versets que nous allons examiner ce jour. Et le texte est, le titre est « Proclamer le Christ crucifié avec la sagesse de l'Esprit ». Proclamer, prêcher, déclarer, expliquer, exalter. Et le Christ est crucifié avec la sagesse de l'Esprit. Le défi en Corinthe est que
Ils dépendaient de la sagesse des Grecs, la sagesse des philosophes, la sagesse des païens, la sagesse des gens qui n'étaient pas sauvés et voudraient apporter leur sagesse séculière dans l'Église, voudraient appliquer leur sagesse philosophique à la parole de Dieu. Et cela ne marche, cela n'a pas marché et cela ne marchera pas. Parce que ce type de sagesse ne les conduira pas à expérimenter la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu. Cela ne les conduira pas à expérimenter le ciel finalement. C'est pourquoi il a déterminé et il est déterminé de ne rien connaître en leur sein de tous les gens qui se sont montrés grands dans le monde. Païens, dans leur philosophie, dans leur sagesse, Christ, lui, voudrait démontrer la sagesse de Dieu qui conduit au salut. Proclamer le Christ est crucifié avec la sagesse de l'Esprit. Voyons le passage sous trois points. Premier point, la déclaration de toute la parole de Dieu. Chaque parole de Dieu est importante, importante au salut, importante au sein. La parole de Dieu est importante à l'Église, importante à chaque âme. Et tous les aspects de notre vie sont couverts par la parole de Dieu. Donc, si seulement on prêche une partie et on ne prêche pas une autre partie, on perd quelque chose. On perd quelque chose. Donc, lorsque l'apôtre Paul est arrivé, il a déclaré toute la parole de Dieu. Premier point ici, c'est la déclaration de toute la parole de Dieu. Deuxième point, c'est la démonstration de la parole, la démonstration des... Deuxième point, la démonstration de vrais prodiges de l'évangile. Paul dit qu'il est venu avec les dons de l'esprit. Il est venu démontrer et il est venu démontrer de vrais, d'authentiques, de véritables prodiges qui transforment la vie. Deuxième point, la démonstration de vrais prodiges de l'évangile. Troisième point, la dépréciation de la sagesse superficielle des impies. Superficielle, la sagesse inutile des impies, la dépréciation, dénigrer cela et exalter le Seigneur lui-même, la dépréciation de la sagesse superficielle des impies. On va au premier point. Premier point, c'est la déclaration de toute la parole de Dieu. Et on lit 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 qui dit: pour moi, frère, pour moi né de nouveau, pour moi sauvé, alors vous ne pouvez pas être un prédicateur de l'évangile sans être sauvé vous-même par l'évangile. Pour moi, Paul, serviteur de Dieu, pour moi, frère, lorsque je suis allé, alors moi, Paul, par l'évangile de Dieu, alors vous ne pouvez pas prêcher l'évangile si vous n'êtes pas là pour servir Dieu avec humilité. Vous êtes serviteur de Dieu, désigné par Dieu, approuvé par Dieu. Et il parlait de lui que pour moi, un Paul consacré au ministère, il était consacré au ministère de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur, vous ne pouvez pas prêcher la parole, vous ne pouvez pas être ce que le Seigneur veut que vous soyez si vous n'êtes pas sauvé, sanctifié et rempli de l'Esprit, soumis et totalement abandonné au Seigneur. Si vous n'êtes pas totalement consacré au Seigneur, totalement engagé au Seigneur, dévoué au Seigneur, vous ne voulez rien d'autre que la gloire de Dieu seul. Pour moi, frère, il parlait aux frères. Il y avait des problèmes en leur sein, à Corinthe, mais ils étaient frères. Il y avait des divisions en leur sein, qui ne devaient pas, mais ils étaient frères. Ce sont des gens qui sont appelés par l'évangile, ils sont appelés par la grâce de Dieu, ils sont appelés au royaume et ils connaissaient le Seigneur, quoi qu'il y ait des imperfections à régler en leur sein. Ils étaient des frères. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Vous savez ce qu'il disait?
Lorsqu'un père veut s'adresser à ses enfants, il ne vient pas avec des arguments de philosophie, il ne vient pas avec un vocabulaire, avec une construction de phrase. Le frère sait là où il veut que ses enfants soient. Le frère sait là où il veut que la famille soit. Alors il vient avec, non, avec une supériorité de langage. Il ne vient pas comme il veut amener une philosophie. Non, que je viens ici, je me suis intéressé à votre salut. Je viens ici, je m'intéresse à ce que vous sortiez des ténèbres pour venir à la lumière. Donc je viens à vous, je viens non avec une supériorité de langage ou de sagesse, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous savez pourquoi beaucoup d'évangélistes n'ont pas des âmes pour le royaume de Dieu? Parce qu'ils ne déterminaient pas, ils ne décidaient pas avant l'évangélisation qu'ils ne connaîtraient rien de personne, d'aucune autre personne que Christ le crucifié seul. Vous savez pourquoi beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs n'ont pas des âmes sauvées au royaume? Vous savez, parce qu'ils ne se focalisent pas sur le Christ crucifié. Ils n'ont pas fait la résolution comme l'apôtre Paul. Je ne voudrais rien savoir dans l'assemblée. Je ne veux rien savoir de quelqu'un d'autre. Tout ce que je veux savoir, c'est le Christ crucifié. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes qui viennent à l'église n'obtiennent pas beaucoup de choses dans la parole de Dieu, ils n'obtiennent pas la puissance transformatrice dans la parole de Dieu pour les transformer entièrement. Vous savez pourquoi? C'est parce que ces gens-là, ils ne prennent pas la résolution, la décision que je vais à l'église aujourd'hui, je vais à l'étude biblique aujourd'hui, je vais au réveil aujourd'hui, je ne veux rien savoir de quelqu'un. Tout ce que je veux savoir, c'est le Christ et le Christ crucifié. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église et ils cherchent, ils regardent que cela n'est pas bien positionné, cela ne va pas bien, les choristes ne chantent pas bien, les choristes ont bien fait aujourd'hui, oh, la personne, le modérateur, tout ce qu'ils regardent, ils regardent d'autres choses. Et ils ne laissent pas les gens à faire ce qu'ils doivent faire pour le Seigneur. Mais l'apôtre Paul dit que j'entende la parole ou que je prêche la parole ou que je déclare la parole, alors je communique la parole de Dieu aux gens. Tout ce que je veux savoir, c'est Christ et le Christ est crucifié. Alors cela vous fera de bien, cela vous fera assez de bien. Comme vous venez à l'église, comme vous venez à la Bible, comme vous venez écouter un prédicateur dans votre église locale, où vous voulez écouter votre pasteur national, régional, où vous voulez écouter et depuis le CIC, vous ne voulez rien savoir que le Christ crucifié. Et c'est dit que, et moi-même, j'étais auprès de vous. Vous devez être avec les gens si vous allez leur prêcher. Si vous allez leur communiquer la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être loin des gens, séparés des gens dans votre esprit, dans votre disposition. Vous ne pouvez pas avoir peur des gens et vous ne pouvez pas aller là-bas. Vous avez peur des gens auxquels vous prêchez. Alors, vous ne pouvez pas leur faire du bien. Et c'est dit, et ne peut pas recevoir la parole. Et dit, moi j'étais auprès de vous. Et dit, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. La déclaration de tous la parole de Dieu. Nous allons voir trois points ici. La déclaration de la parole de Dieu de Paul dans le Corinthe corrompu. Le Corinthe était corrompu. Corinthe était pécheur. Corinthe s'était éloigné de Dieu. Et néanmoins, l'apôtre Paul était envoyé par Dieu d'aller déclarer la totalité de la parole de Dieu aux Corinthiens. Comment l'a-t-il fait? La déclaration de la parole de Dieu de Paul aux Corinthiens corrompus. Allons aux Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 18. Et lisons le verset 8. Actes, chapitre 18.
Lisons le verset 8. 8 dit, « Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens. » Lorsque l'apôtre Paul s'était rendu à Corinthe et qu'il a approché la parole du salut, la parole de la repentance, la parole de la rédemption et la parole qui transforme leur vie et qui les a fait sortir du péché, les a amenés au Sauveur et les a fait sortir des ténèbres à la lumière. Alors plusieurs avaient entendu Paul et il a cru et il fut baptisé. Et le verset 9 dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Ne crains point, mais parle. Vous rappelez bien que lorsque j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Maintenant, le Seigneur le dit, Paul, je t'ai envoyé, je t'ai nommé, je t'ai amené à Corinthe. Et comme il est allé, tu es allé, tu es allé, il y a un objectif, quelque chose à réaliser. Donc, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Voilà l'assurance que le Seigneur lui a donnée au verset 10. Car je suis avec toi. Tu t'es rendu à des lieux différents, j'étais avec toi, tu iras encore d'autres lieux, d'autres endroits, je serai avec toi, et car maintenant tu es à Corinthe, car je suis avec toi, et continue de dire, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Donnez-moi un bon amen là-bas. Lorsque le Seigneur est avec vous, il vous a nommé, il vous a oint, il vous a positionné là-bas. Et là où vous êtes, c'est le centre de ce que Dieu que vous soyez dans le ministère. Et dit, car je suis avec toi, s'il est avec vous, Satan ne peut rien faire. Les persécuteurs ne peuvent rien faire. Les adversaires ne peuvent rien faire. La parole de Dieu sortira de vous et pénétrera dans leur cœur et les conduira au salut et les conduira à faire des expériences chrétiennes au nom de Jésus-Christ. Voyons ceci. Et car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, quelle que soit leur philosophie, leurs idées, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, quelle que soit leur idolâtrie, comme ils se sont donnés aux idoles muettes, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Avec cette assurance, il leur a déclaré tout le conseil de Dieu. Actes chapitre 20, verset 26. Actes chapitre 20, lisons le verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Partout où se rendait Paul, il voulait être pur du sang de tous les hommes et ne voulait pas se présenter au jugement de Dieu et que quelqu'un le doive que Paul, tu es arrivé chez nous, tu es arrivé à Corinthe, tu ne nous as pas dit, tu ne m'as pas dit, je t'ai vu et tu m'as conseillé et tu ne m'as pas dit que cette voie, que ce style de vie, que cette action me conduira en enfer. Tu ne me l'as pas dit. Tu es coupable de mon sang. Mais Paul a dit que les gens n'ont pas pu dire cela à Corinthe. Il n'était pas en mesure de le dire en Éphèse. Il n'était pas en mesure de le dire à Philippe. Partout, ils n'ont pas pu le dire. Pourquoi? Voilà le verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu parce que je n'ai pas négligé mon devoir. Je n'ai pas fui ma responsabilité. Je n'ai pas regardé le visage des gens et les actions des gens. Et puis, je commençais à devenir, à avoir très peur que je ne parle pas du salut, sauvé par la grâce au travers de la foi. Je ne peux pas parler de la foi
de rechercher la foi, la sainteté, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je ne pouvais pas leur dire tout ce que je devais leur dire parce que j'avais peur. Non. Il dit que car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, il n'y a aucune section de l'Église, il n'y a aucune partie du royaume, il n'y a aucune section de la chrétienté que Paul, tu ne nous as pas dit. Que, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Alors, verset 28 dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, vous a établi prédicateur, vous a établi pasteur pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est ce qu'il avait fait. Il a déclaré tout le conseil de Dieu, même à Corinthe. Aussi corrompu qu'il fût, aussi pécheur qu'il soit, aussi idolâtre pécheur qu'il soit, aussi mauvais qu'il soit, et aussi résistant qu'il soit. Et il leur a déclaré tout le conseil de Dieu. Revenons à 1 Corinthiens chapitre 2 et voyons le verset 2 maintenant. Nous voyons ici la détermination inestimable, inébranlable par rapport au Christ crucifié. La détermination inestimable et inébranlable par rapport au Christ crucifié. Voyons 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il y avait une église qui a un bel édifice au fronton de la porte de là-bas, il y a une parole que un écrit que nous prêchons le Christ crucifié. Mais il y avait un arbre là-bas et l'arbre là a les branches qui se posent sur le toit et sans couper Les branches ont couvert le mot, ont coupé, les branches ont caché, crucifié. Ce qui reste, nous prêchons Christ. Et la branche qui a couvert le truc là a ôté la crucifixion. Et l'arbre qui a couvert le toit de la maison a couvert, les branches ont couvert Christ. On couvait et crucifié comme Christ, on prêche Christ comme libérateur, Christ est un bon homme. Mais la rédemption de la crucifixion est ôtée et l'arbre a continué de croître et finalement cela a couvert sur le mot Christ. Lorsque les gens passent, tout ce que les gens peuvent voir c'est que nous prêchons le Christ crucifié est ôté, nous prêchons. Et puis, alors, ils pourraient maintenant raconter des histoires, raconter des traditions. Ils ne prêchent plus Christ, ils n'exaltent plus Christ. Ils ne font pas que les gens connaissent Christ comme le Sauveur, Christ le Sanctificateur, Christ le Guérisseur, Christ celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Christ est l'exemple parfait et Christ est le roi à venir. Finalement, l'arbre continue à croître et finalement cela a couvert le mot nous prêchons. Le mot prêchons. Alors récemment nous. Alors récemment le mot nous. Est-ce que association sociale nous. Intimité nous. Et l'objectif de l'église est totalement effacé. Je prie qu'aucune branche, qu'aucun arbre ne couvre tout ce que nous devons prêcher au sujet de Christ, au nom de Jésus-Christ. Que nous ayons un arbre qui croit ou pas, nous devons regarder ce que nous faisons. Nous prêchons Christ
le crucifié. C'est pourquoi Paul a dit que lorsque je viens à vous, alors que j'ai fait la détermination de ne rien savoir au milieu de vous, à l'exception de Jésus-Christ le crucifié. Comme je l'ai dit, chaque prédicateur doit avoir cela à l'esprit lorsque vous venez à l'église. Je ne veux pas connaître les riches, je ne veux pas connaître les philosophes, je ne veux pas connaître les hauts cadres, je ne veux pas connaître ceci et cela. Tout ce que je veux savoir, c'est Christ le crucifié. Je ne veux pas savoir les gens qui ont la sagesse terrestre, les talents terrestres, la puissance terrestre. Je ne veux pas savoir ceux qui travaillent dans les bureaux de ce monde, qui contrôlent ceci et cela, qui contrôlent les gens, qui sont à me dire de dire que nous sommes en autorité. Tout ce que je veux savoir dans l'église, c'est le Christ crucifié. Lorsque vous venez à l'église, alors cela ne doit pas vous importer qui est là au pupitre, un Paul, un Apollos, un Sylvain, un Timothée, un Tite, un Silas, tout ce que vous voulez, qui que soit la personne là-bas, et il nous déclare le Christ crucifié. Est-ce mon ami là-bas? Est-ce mon persécuteur là-bas? Est-ce que c'est ma famille qui est là-bas? Est-ce celui-ci ou celui là-bas? Ce n'est pas ce qui importe. Ce qui vous importe, c'est que nous voulons avoir, nous voulons savoir, nous voulons être la chose, avec, nous voulons être intime avec le Christ crucifié. Alors, et c'est dit que car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La raison pour cela est que le salut est uniquement en Christ. La sanctification est seulement en Christ. La puissance du Saint-Esprit est seulement en Christ. Et les grandes et précieuses promesses que le Seigneur nous a données se trouvent uniquement en Christ. Voyons Actes chapitre 4. Actes des apôtres, chapitre 4, lisons le verset 12. Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et si le salut des gens est la chose la plus primordiale, et Christ par crucifixion, Christ par son expiation, Christ par le sacrifice est le seul qui puisse nous donner ce salut. C'est pourquoi le prédicateur doit venir et nous déclarer Christ et que le Christ est crucifié. Si Jésus-Christ est le seul qui puisse nous donner le plein salut, qui puisse nous donner la pleine rédemption, qui puisse nous donner la sanctification, qui puisse nous donner la justice de Dieu. C'est Christ est celui qui peut nous rendre juste, saint, qui peut nous rendre agréable à Dieu. S'il n'y a pas d'autres personnes, si c'est Christ est la seule personne, le seul moyen, donc ceux qui nous parlent, ceux qui nous prêchent de Christ ne doivent rien savoir, ne doivent rien désirer que Christ et Christ crucifié. Pour vous, si le salut est la chose la plus importante, le pourquoi vous venez à l'église, le pourquoi vous êtes à la vie profonde, le pourquoi vous venez étudier la Bible avec nous, si le salut de Dieu est la chose la plus importante au ciel, c'est la chose la plus importante en sainteté et dans la rédemption, c'est la chose la plus importante. Alors, ce doit être la détermination de votre cœur que je ne veux rien savoir dans cette église que Christ et Christ le crucifié. Et si vous allez dans d'autres églises, tout ce que vous devez décider de savoir, quelle que soit leur musique, c'est pas la chose la plus importante, et leur prière, c'est pas ce qui importe, et leur forme d'adoration, c'est pas ce qui importe. Christ sauve, Christ sanctifie, Christ guérit, Christ est le tout en tout pour nous. Ce doit être dans votre esprit. Comme vous venez dans cette église, comme vous allez vous fréquenter d'autres églises, vous ne devez rien savoir parmi les gens dans cette dénomination que Christ le crucifié. C'est pourquoi c'est dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, par lequel nous devons être sanctifiés, par lequel nous devons être
guéri ou délivré. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Il est le fondement, il est le pourvoyeur du salut, le salut entier, le plein salut, le salut final pour nous. C'est pourquoi nous nous concentrons sur lui, Christ le crucifié. Allons maintenant à 1 Corinthiens chapitre 2 et voyons verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Lorsque vous lisez cela pour la première fois, alors vous serez surpris. Paul, comment peut-il être acceptable que Paul aille quelque part et que Paul se tienne pour prêcher la parole et que Paul dise que je suis auprès de vous. Vous savez quoi? Qu'il y avait la faiblesse, il y avait la crainte, il y avait le tremblement. S'il vous plaît, comprenez. Il n'avait pas peur de la persécution des persécuteurs. Jamais. Il n'avait pas peur des gens ou des problèmes qu'il pourrait susciter. Jamais. Il n'avait pas peur du sacerdoce ou bien des chefs de celui-là. Jamais. C'est la même personne qui a dit que vous devez vous revertir de toutes les âmes de Dieu, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ténèbres dans les lieux célestes de ce siècle présent. C'est lui qui avait dit que même dans cette vie, qu'il ne compte pas, il ne prend pas sa vie, mais que pour finir avec joie le ministère que le Seigneur lui a confié. Alors, qu'avait-il peur? Parce que l'Écriture est là. Lorsqu'il a dit que j'étais avec vous, auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Il y avait des philosophes là-bas, comme on l'a lu au chapitre 1. Il y avait des gens qui ont apporté la sagesse de ce monde. Et ils avaient peur que ces gens pourraient se fier à leur philosophie et rejeter le principe de l'évangile. Ils avaient peur pour eux. Ils venaient auprès d'eux. Dieu a beaucoup de personnes dans ce lieu, mais j'espère que leur philosophie ne les empêche pas. J'espère que la sagesse du monde ne les empêche pas. Et j'espère que leur tradition ne les empêcherait pas. Donc, il avait peur pour eux, et non pas, il avait peur pour eux. Papa, il n'avait pas peur de leur faire du mal. Mais que s'ils m'accusent, ouais, qu'ils viennent, que si j'ai tort, mais je n'ai pas peur de mourir. Il n'avait pas peur des gens. Il n'avait pas peur de leur persécution. Mais il avait peur. Il avait cette crainte pour eux. Et laissez-moi vous le montrer en Philippiens chapitre 2. Et ici, nous lisons le verset 12. Philippiens 2, verset 12, le type de crainte et de tremblement qui doit se trouver dans toute vie. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés frères, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il a dit, travaillez à votre salut. Avec quoi? Avec quoi? Dites-le avec crainte. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il avait peur. Il avait cette crainte pour leur salut. Seront-ils sauvés? Vont-ils demeurer dans le salut? Est-ce que les philosophes, avec leur philosophie, viendront les dissuader? Je travaille sur eux. Je voudrais leur prêcher l'évangile dans sa totalité. Je vais vers eux dans la puissance de la démonstration de l'Esprit de Dieu. Et vont-ils rejeter
Vont-ils travailler à leur salut avec crainte et tremblement de Dieu? Vont-ils accepter la parole? Vont-ils regarder Christ et Christ seul et Christ crucifié? Ou bien vont-ils regarder d'autres choses, d'autres personnes, d'autres philosophies et d'autres idées et d'autres traditions? Et avec les traditions-là, vont-elles les ôter du fondement de l'évangile? Et disent que c'est ce qu'il disait, que j'ai peur, j'ai cette crainte pour vous. Parce que c'est ce qu'il a dit aux Galates, que Christ était évidemment crucifié parmi vous. Mais la façon dont vous êtes maintenant, vous allez à la crucifixion, vous allez à la tradition, vous avez ceci et cela. Je viens maintenant à vous et maintenant j'ai cette crainte et je suis encore dans la douleur d'enfantement pour vous. C'est ce qu'il disait, qu'il avait cette crainte et de tremblement pour eux. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas trembler devant les Corinthiens, ils ne peuvent rien faire. Christ, le Seigneur dit que je suis avec vous et sera avec vous jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Il ne faut jamais avoir peur d'une personne, d'une personnalité des Corinthiens, parce que celui qui est en vous est plus grand. Celui qui est en vous est celui qui est à Corinthe ou dans une ville de ce monde. Christ est plus grand que eux. Alors il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Et personne ne peut mettre la main sur vous pour vous faire du mal au nom de Jésus-Christ. Devant les persécutions, alors il faut tenir ferme et regarder face à face vos persécuteurs. Il faut pas dire que Paul a dit que j'étais dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Voici mes persécuteurs maintenant. Je ne peux pas regarder en haut. Regardez en haut et soyez un vainqueur. Vous serez vainqueur au nom de Jésus-Christ. Si les persécuteurs vous vainquent, alors si vous compromettez à cause des persécuteurs, comment irez-vous au ciel? Moi, j'irai au ciel au nom de Jésus-Christ. J'irai au ciel au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un défi, alors il ne faut pas trembler devant le défi, il ne faut pas trembler devant quelle que soit la chose. Tenez ferme par la foi et tenez pas de tout cela le bouclé de la foi par lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. Mais comme vous voyez votre salut, alors vous travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Lorsqu'il y a tentation, ne soyez pas excessivement confiant en vous-même. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Lorsqu'il y a une pensée, une idée, mais je ne dois pas aller à l'église aujourd'hui, je ne dois pas lire la Bible aujourd'hui, je ne dois pas prier aujourd'hui. Lorsque les épreuves se présentent, lorsque les épreuves montent, comme le déluge de Noé qui va vous submerger, c'est l'heure d'espérer en Dieu. Il ne faut pas être très confiant en vous-même. Il faut la crainte et le tremblement de vous travailler à votre salut, à votre rédemption. Vous travaillez à votre victoire avec crainte et tremblement et vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. Nous allons au deuxième point maintenant. C'est la démonstration de vrais prodiges de l'évangile. La démonstration de véritables prodiges de l'évangile. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 2. Et je lis verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Verset 4 dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, œcuménique, de la sagesse des païens, de Corinthe, de la sagesse des hommes non sauvés, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi, la foi qui nous sauve, afin que votre foi, la foi qui vous fait posséder toutes les promesses de Dieu, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La démonstration
de vrais prodiges de l'évangile. Nous allons voir trois points ici. Premier point. La futilité de la sagesse mondaine dans la prédication de l'évangile. La futilité de la sagesse mondaine dans la prédication de l'évangile. Voilà la première partie du verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Vous rappelez bien, Paul, il était seul. Lorsqu'il était seul, il était pharisien et il connaissait tout l'Ancien Testament et toute l'Ancienne Alliance. Mais la lumière de l'Esprit de Dieu n'a pas illuminé l'Ancien Testament qu'il connaissait. Il connaissait la loi écrite, ils avaient la sagesse charnelle, la sagesse terrestre et la sagesse démoniaque pour persécuter les gens. Et il sait comment dire cela, comment parler pour convaincre quelqu'un que le juste est injuste, que le bon, que le bien est mauvais, que le saint n'est pas saint, que les disciples de Christ qui n'observent pas la circoncision ont tort. Il avait cette sagesse charnelle, humaine, méchante, terrible, religieuse et traditionnelle. Maintenant, il est venu au Seigneur. Il s'était repenti de tous ses péchés et il s'était repenti de la sagesse charnelle de l'Ancien Testament, la sagesse qu'il a obtenue des pharisiens, la sagesse qu'il a reçue de son ancienne religion. Il mettait de côté tout cela. Maintenant, il est venu, non avec la sagesse ancienne, non avec l'ancienne sagesse, avec l'ancien style. Il n'a pas mené cela dans sa prédication. Pourquoi? Voyons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, ceux qui sont sages selon le monde. Ceux qui sont sages selon la philosophie du monde. Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Donc, ils savaient que cela est sans valeur devant Dieu, inutile devant Dieu. Toute la sagesse charnelle du passé, tout cela a été rejeté. Verset 20, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur? Ouais, ces auteurs de ces grands livres, presque une encyclopédie, et il a écrit la sagesse de ces gens de l'Ancien Testament. Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas vaincu de folie? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Cette sagesse ne les sauve pas. Cette sagesse ne les rend pas juste. Cette sagesse ne leur offre pas le pardon du péché. Cela ne leur offre pas la rédemption parce que Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde. Après, voyons le verset 21. Car puisque le monde, après sa sagesse, n'a point connu Dieu. Le monde, par sa philosophie, n'a point connu Dieu. Le monde, par ses littératures, n'a point connu Dieu. Le monde, par ses arguments, par ses débats, n'a point connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est la sagesse qui compte. Lorsque vous abandonnez votre sagesse terrestre, lorsque vous levez les regards vers Christ qui est mort pour voir la croix de Calvaire et vous abandonnez tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez entendu de ces philosophes, et maintenant vous avez appris maintenant que Christ est le Sauveur, c'est par sa crucifixion, par son sacrifice, il est devenu votre substitut, il est devenu votre porteur de péché,
Il est maintenant votre sauveur. Dit oui, Seigneur, je me détourne de mes péchés. Je t'embrasse. Je crois que Jésus est mon sauveur. C'est ça, c'est la sagesse plus élevée que toute autre sagesse dans le monde. Maintenant, il appelle Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais l'apôtre Paul dit que parce que cela ne sauve pas, je l'ai rejeté. Et il nous conseille, il nous aide, il nous exhorte. Quelle que soit la sagesse qui ne sauve pas, il faut la rejeter. Quelle que soit la tradition qui ne sauve pas, rejetez-la. Et l'idéologie qui ne sanctifie pas, abandonnez-la. Et quelle que soit l'étude, quels que soient les talents, quelle que soit la connaissance que vous avez, le talent qui ne sanctifie pas, quel que soit le zèle, quelle que soit la chose que vous avez, qui ne vous rapproche pas de Dieu, qui ne vous garde pas proche de Dieu, jetez cela, c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Il dit que maintenant, je prêche la parole, je fais tout selon le ministère et par la sagesse de Dieu. Alors, on voit ici la futilité de la sagesse mondaine dans la prédication de l'évangile. Dans la prédication de l'évangile, dans la déclaration de l'évangile, dans tout ce que vous faites dans le royaume de Dieu, il y a la futilité de la sagesse mondaine dans notre vie. Et voyons la deuxième partie ici, voyons 2 Corinthiens, la deuxième partie ici du verset 4 qui dit: mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ce que le Seigneur lui-même nous a promis lorsqu'il a dit: allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Et Marc chapitre 16 verset nous dit qu'il allait et prêchait partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux. Si vous avez la sagesse du monde, le Seigneur ne travaillera pas avec vous. Si vous avez la tradition du monde, le Seigneur ne travaillera pas avec vous. Si vous avez la philosophie du monde, comme vous prêchez, et au lieu de dépendre du Saint-Esprit, au lieu de se fier à la puissance du Saint-Esprit, si vous vous fiez aux principes, aux proverbes des idolâtres, et puis c'est votre source d'inspiration, le Seigneur ne travaillera pas avec vous. Et l'apôtre Paul savait cela. Donc, si quelqu'un nous prêche, si quelqu'un essaie de nous aider dans le royaume, dans le ministère, dans l'église, si vous découvrez que tout ce qu'il est en train de démontrer, tout ce qu'il présente, tout ce qu'il projette, c'est la pratique, c'est la sagesse du monde. Il faut dire, ceci ne marchera pas. Ceci ne nous fera pas entrer dans le royaume. Soyons comme l'apôtre Paul qui ira dans la démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Cela nous dit aux Romains, chapitre 15, verset 18. Romains, chapitre 15, verset 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par la puissance de miracles et des prodiges, les malades étaient guéris, la tradition ne peut pas le faire, les opprimés étaient délivrés, l'idolâtrie ne peut pas le faire. Et puis, ceux qui étaient
fous, les possédés qui avaient des puissances maléfiques. Ces puissances maléfiques étaient chassées par le nom de Jésus et par l'onction de l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul savait que on ne peut pas mélanger les principes du monde avec les préceptes de Dieu et aller avec cette mixtion, avec ce mélange, et démontrer la puissance de Dieu. Alors, il a dû totalement abandonner tout ce qui est des ténèbres et venir avec la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est comment il a prêché. C'est ainsi que vous allez prêcher. Je dis, c'est ainsi que vous allez prêcher. Tout ce qui est du passé que vous connaissez dans la synagogue des habits blancs, dans la prophétie, le parler en langue, et ces choses que vous continuez à faire, vous n'étiez pas né de nouveau. Vous savez que le Saint-Esprit ne pouvait pas demeurer dans un vase sale. Vous savez que vous n'étiez pas sauvé à ce temps. Alors comment maintenant vous pouvez venir maintenant au royaume de Dieu, et maintenant que vous êtes maintenant dans l'équipe des intercesseurs, des guerriers de prière, et la façon dont vous priez lorsque vous étiez là-bas dans les ténèbres, et le nom que vous appelez là-bas, et le nom des anges, et la façon dont vous vous présentez très émotionnel, vous commencez à amener cela, et vous allez commencer à prendre le nom de Jésus avec cette tradition. Cela ne va pas marcher. Vous allez vous détruire. Vous allez détruire les gens pour lesquels vous priez. Vous devez abandonner la sagesse du passé. Vous devez abandonner la tradition du passé. Vous devez abandonner cette technique du passé. Vous venez maintenant entièrement au Seigneur. Rien dans ma main. J'apporte simplement à la croix. Je m'accroche. Vous mentionnez le nom de Jésus-Christ. Il sera puissant et fort dans votre vie au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Afin, notre troisième point, c'est notre foi dans la volonté et l'objectif de Dieu. Et dit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi ne doit pas être fondée sur les cris d'un homme. Notre foi ne doit pas être fondée sur l'émotion, sur la démonstration, sur les gesticulations, sur comment les gens marchent en haut, marchent devant, revenir en arrière, la façon dont on boxe, on balaie, la façon dont on change la voix, et comme la voix d'une mascarade, la façon dont il se transforme du naturel à un être différent. Alors, lorsqu'il veut prier, et il s'est dit que, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la méthode d'un homme religieux, mais que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Lorsque votre foi est fondée sur la puissance de Dieu, le Seigneur va vous exaucer. Voyons, la volonté de Dieu, c'est là que doit être votre foi. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ouais, Dieu ne veut pas que vous périssiez. Il veut que vous alliez, vous soyez sauvés. Il veut vous pardonner. Que votre foi soit en cette volonté du Seigneur. Alors, il veut que vous soyez sauvés. Alors, vous ne devez pas, sinon, observer une tradition de aller boire de l'eau, aller boire de l'huile. L'huile ne va pas changer la décision de Dieu, la bougie, le boubou blanc, que soit la chose ou bien le bélier que vous tuez, ne va pas changer la décision de Dieu. Déjà, il a donné Christ pour votre salut. Comme vous venez, vous dites, Seigneur, j'ai la foi en ta volonté pour me sauver. Tu ne veux pas que je périsse. Alors, il veut que vous soyez sauvés.
que votre foi soit fondée sur cette volonté de Dieu. Après que vous êtes sauvé, alors il veut vous sanctifier. Alors c'est lui que soyez saint comme je suis saint. Alors il veut que vous ayez sa nature. Ce n'est pas par les pleurs, ce n'est pas en roulant par terre, ce n'est pas en boxant l'air, ce n'est pas en vous punissant d'être saint. Tout cela n'apporte pas la foi. Mais vous allez regarder les promesses de Dieu et vous allez voir les promesses précieuses de Dieu. Il veut que vous soyez saints, il veut que vous soyez sanctifiés. Venez et mettez tout sur l'autel, disant « Seigneur, je me soumets à toi. La sanctification vous sera accordée. Donnez-moi un bon amen. » Il veut que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit et Christ étant monté aux cieux, ayant reçu du Père le don du Saint-Esprit, alors il l'a répandu, et c'est ce que vous entendez, vous voyez, car la promesse est à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont loin, même à tous ceux que notre Dieu appellera. Alors il veut que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Esprit. Ce n'est pas le fait d'aller à la montagne, cela ne change pas Dieu. Ce n'est pas le fait d'aller à la vallée, cela ne change pas Dieu. Ce n'est pas aller à la prière, à la montagne de prière, quelque part, cela ne change pas Dieu. La promesse est à vous. C'est à vos enfants. Et c'est à tous, à ceux qui sont loin, à tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Alors, si vous avez appelé au salut, vous lui avez répondu. Vous avez appelé à la sanctification, vous avez répondu. Maintenant, il vous appelle à être rempli, à être revêtu, enveloppé par la puissance du Saint-Esprit. Il vous remplira au ras-le-bol. La guérison est déjà promise par ses maîtres. Si nous sommes guéris, tout ce que Christ doit faire, que nous soyons guéris, que nous soyons délivrés, tout a été fait. Ce n'est pas que parce que vous... Parce que on prend cette herbe et cette herbe et on prie sur l'herbe, on prie. Ça, c'est le blasphème. Priez en mettant le nom de Jésus sur un mélange. Qu'est-ce qui vous guérit? Est-ce que c'est Christ ou le mélange? Mais comme vous venez et vous comprenez que c'est par ses maîtres sûrs que je suis guéri, il vous guérira au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Moi, je ne périrai pas. Je ne périrai pas. Vous n'allez pas périr au nom de Jésus-Christ, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais voulant que tous arrivent à la repentance, il a la puissance et pas cette puissance. Alors il nous a franchis, il nous a franchis, et votre libération est garantie au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci n'est pas prié avec l'hypertension, ce n'est pas prié avec le sang chaud et ne prie pas avec une émotion d'une voix aiguë, mais dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé, si vous êtes sûr, dites-le-moi à haute voix. Lequel vous est réservé dans les cieux, c'est pour vous, et cela est réservé pour vous. Votre siège est réservé au ciel. Votre place est réservée au ciel. Lorsque vous venez prier,
Lorsqu'on vient prier, on ne bat pas Dieu, on ne sait pas d'envoyer la boxe, on ne boxe pas Dieu, on ne sait pas de vaincre Dieu. Dieu, tu veux m'envoyer en enfer? Ne veux-tu pas que j'aille au ciel, ce ciel que tu l'aimes pas ou que tu l'aimes ou pas? J'irai au ciel. Est-ce que vous parlez à Dieu? Vous parlez au ciel. Est-ce que vous parlez à Dieu? Vous parlez au diable. Qu'est-ce que le diable a à faire au moment de votre prière? Il faut venir à Dieu. Seigneur, je sais. Tu as envoyé Jésus mourir pour moi. Il a payé le plein prix. Je viens recevoir le salut que tu as pour moi. La sanctification que tu as pour moi. La puissance du Saint-Esprit que tu as pour moi. Je veux recevoir la grâce pour tenir et la grâce pour demeurer et aller finalement au ciel. Seigneur, je sais que tu veux que je sois au ciel et tu as une demeure réservée pour moi au ciel. Et tu pries avec confiance, avec la paix du cœur, avec l'assurance que Dieu le fera. Il le fera pour vous au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 5, 1 Pierre 1, verset 5. À vous, et à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, Dieu vous gardera, il vous gardera dans le salut. Amen. Il vous gardera dans la sanctification, il vous gardera dans la puissance du Saint-Esprit. Il ouvre la porte devant vous et personne ne la fermera au nom de Jésus-Christ. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Votre révélation viendra au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au troisième point. La dépréciation de la sagesse superficielle des impies. Les impies, quelle que soit leur profession, quel que soit leur statut, quelle que soit leur position dans la vie, quelle que soit leur école de pensée, quelle que soit leur philosophie, leur religion, et les impies, ceux qui ne sont pas sauvés, et ils pourraient sinon dire des choses, et ils pourraient sinon construire des vocabulaires, mais s'ils sont impies, tout cela est inutile. La dépréciation de la sagesse superficielle des impies. Voyons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. 1, on trouve la misère du monde impie dans leur gloire. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. La sagesse des chefs de ce monde sera anéantie. Ils ne croient pas en Christ du calvaire, la sagesse là est anéantie. Et à l'heure de la mort, cette philosophie va les abandonner. Lorsqu'ils passent à l'autre bord, en présence du juge éternel, leur philosophie et leur tradition les abandonneront. Lorsque l'heure sonne, que Satan se présentent pour emporter leur âme à l'éternité de perdition, leur tradition, leur religion, leur sagesse feront défaut. La sagesse du monde est anéantie. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est ainsi, c'est jusqu'à ce niveau que leur sagesse les a conduits, ils ne pouvaient pas découvrir par leur sagesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils ne pouvaient pas découvrir par leur sagesse que la parole de Jésus-Christ n'est pas blasphématoire, que les paroles de Jésus-Christ sont véritables et sont esprit. Ce n'est pas la parole de Christ,
C'est cette parole qui, dans la vie, ils n'ont pas pu découvrir cela. Donc, dans leur sagesse, la sagesse traditionnelle, la sagesse selon la philosophie des Juifs, la sagesse des Grecs, la sagesse des païens, ils ont dit crucifie-le. Ils ont dit crucifie-le, crucifie-le. Ils ont crucifié le Seigneur de gloire parce que c'est ainsi que c'est à ce niveau que leur sagesse les a conduits. La sagesse du monde les conduira à la misère. Je prie que cela ne soit pas votre portion au nom de Jésus-Christ. Numéro 2 ici, le mystère de la sagesse de Dieu pour notre gloire. 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas saisir la sagesse du monde dans une main et la sagesse de Dieu dans une autre main. Vous ne pouvez pas avoir Satan et Dieu dans le même cœur. Vous ne pouvez pas avoir la vérité et l'erreur dans le même cœur. Vous ne pouvez pas avoir la sagesse démoniaque, diabolique dans le cœur et en même temps la sagesse supérieure céleste dans le même cœur. L'une doit céder à l'autre. Si vous devez posséder, si vous devez opérer par la sagesse de Dieu, vous devez effacer, vous devez mettre de côté toute autre sagesse. C'est ainsi que la puissance de Paul a fait, la puissance de Dieu est allée au zénith dans sa vie. Je prie que la puissance de Dieu vous remplisse à débordement au nom de Jésus-Christ. Et nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Numéro 3, les merveilles de la dignité du Seigneur dans la gloire. Je prie que les merveilles de la sagesse de Dieu soient dans votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est le Seigneur de gloire, il sera votre Seigneur. Je dis, il sera votre Seigneur et la gloire remplira votre vie. La grâce de Dieu remplira votre vie. La bonté du Seigneur remplira votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons le verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous n'allez pas crucifier à nouveau le Seigneur de gloire. Votre vie ne crucifiera pas le Seigneur de gloire. La sagesse du monde n'occupera pas votre vie pour crucifier le Seigneur de gloire. N'allez pas crucifier ce Seigneur qui est crucifié et qui a tout donné pour vous, qui a tout pourvu à la croix du calvaire. Vous n'allez pas crucifier le Seigneur de gloire au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens qui font cela. Alors, la première crucifixion, cela ne suffit pas pour eux. Mais maintenant, ils veulent crucifier de nouveau le Fils de Dieu par leur vie, par leur disposition, par leur tradition, par le rejet qu'ils ont pour le Seigneur Jésus-Christ et par la démonstration de ce qu'ils font. Il voudrait retourner à la sagesse traditionnelle, à la sagesse religieuse, à la sagesse occulte, à la sagesse humaine, à la sagesse démoniaque. Il voudrait opérer la sagesse de Dieu et de la Bible. Ne le suffit pas. Il voudrait aller voir ce qui est démoniaque. Et quand ils font cela, ils voudraient crucifier le Seigneur de gloire à nouveau. Cela ne vous arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Voyons Jacques 3. Laisse-moi vous montrer les gens qui ont la sagesse charnelle, la sagesse traditionnelle, la sagesse philosophique. Ils agissent, ils lisent la Bible, mais ils rejettent la sagesse de la Bible.
Voilà la sagesse qu'ils ont. C'est dit en Jacques 3, versets 14 et 15. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Cette sagesse du monde, la sagesse de la tradition, la sagesse de la vieille religion, la sagesse du diable est terrestre, est charnelle et diabolique. Qu'est-ce que cela fait? Lorsque les gens agissent selon la sagesse du monde, selon la sagesse de Lucifer, de Satan, selon la sagesse de la tradition, vous savez ce que les gens font? C'est comme ce que les gens font. Dans la sagesse du monde, ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Voyons Hébreux, chapitre 6. Hébreux 6, verset 6. Hébreux 6, 6. Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part. Puisqu'ils crucifient pour leur part leur salut, leur progrès. Le Fils de gloire, il l'expose à l'ignominie. Mais l'apôtre Paul a dit que je ne ferai pas cela. J'ai persécuté l'Église, mais je me suis repenti. J'ai changé maintenant, et je viens maintenant, il n'y a rien de la sagesse antique que je possède, que je veux, que je possède, que je désire. Tout ce que je veux maintenant, c'est la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu qui nous donne Christ, qui nous donne le salut au travers de la crucifixion, qui nous donne la grâce constante, qui nous donne la sanctification, la puissance pour mener la vie victorieuse, qui nous donne tout ce dont on a besoin pour avoir la grâce suffisante et la grâce abondante et la grâce débordante, la grâce abondante pour nous conduire au royaume de Dieu. Et c'est dit que lorsque je viens à l'église, lorsque je viens au ministère, lorsque je viens au milieu du peuple de Dieu, je décide de ne rien connaître au milieu de vous à part Christ et Christ le crucifié. Alors il a été crucifié pour vous, tout ce dont vous avez besoin. Regardez le calvaire, le salut, la sanctification, regardez le calvaire, la guérison, regardez le calvaire, la puissance du Saint-Esprit, regardez le calvaire, la puissance qui vous soutient, regardez le calvaire, la grâce abondante, regardez le calvaire. Tout ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui et demain jusqu'à l'éternité, tout ce dont vous avez besoin, que Dieu vous garde fidèle jusqu'à ce jour glorieux, tout ce dont vous avez besoin, tout est pourvu à la croix du calvaire. Regardez le Seigneur et vous dites, Seigneur, je ne veux rien savoir, je ne veux avoir aucune autre pensée, aucune autre idée que le Christ est crucifié. Alors, Christ sera pour vous. Tout ce dont vous aurez besoin au nom de Jésus, cela vous sera accordé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas vous lever maintenant et dire au Seigneur, je viens, je ne viens pas en mon nom. Seigneur, je viens, je ne viens pas au nom de la tradition. Je viens, je ne viens pas au nom de la religion. Je viens, je ne viens pas avec la sagesse du monde. Je viens, je ne viens pas avec la sagesse de la tradition. Je viens. Je ne viens pas avec la sagesse charnelle, terrestre. Je ne viens pas avec la sagesse démoniaque. Je viens avec la sagesse de la parole du Dieu très puissant. Je viens avec l'œuvre achevée de Christ au calvaire. Il a fait cela pour vous. Il l'a fait pour vous. Comme vous venez avec ce nom, avec cette assurance, comme vous venez avec cette foi, tout ce dont vous aurez besoin, alors que Christ a payé, ce sera votre au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche maintenant et parlez au Seigneur en prière. Que la parole de Dieu, que la vérité de la parole de Dieu, que les promesses de Dieu portent de fruits dans votre vie.
tout ce que vous avez entendu, selon sa promesse, tout ce que vous demandez, selon ses provisions, tout ce que vous demandez, selon ce que Christ a pourvu, cela vous sera accordé. Faut pas venir selon votre force, faut pas venir en votre nom, faut pas venir dans votre puissance, faut pas venir avec la tradition, faut pas venir avec la religion. Venez au nom du Seigneur et tout sera votre au nom de Jésus-Christ.